Bien, ça y est, je suis à Puebla, je suis trop contente d'être de retour si vous saviez. On a atterri hier en fin d'après-midi à Mexico et ensuite on est venu jusqu'ici en bus. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de train au Mexique, donc tout se fait soit par avion, soit en bus. Et ça fait un trajet à peu près de 2 heures. Je suis rentrée complètement morte et je suis allée au lit direct. Mais ça y est, ce matin je me sens beaucoup mieux. D'ailleurs on reste chez une amie qui est une amie de la famille depuis que j'ai de la mémoire. C'est une fille qui est incroyable. C'est la vraie mexicaine avec la joie de vivre en permanence, la banane. Donc je pense qu'on va bien s'amuser avec elle. Et d'ailleurs, le plan ces vacances, ça va être profiter au maximum des amis et ce qu'on considère comme la famille. Aussi faire un petit peu les touristes parce que j'ai ma belle-sœur qui connaît pas du tout le coin et du coup on va l'amener visiter les endroits les plus sympas. D'ailleurs, ce sont ces jours-là, je pense, où je vais vous embarquer avec moi parce que entre nous, je pense pas que ce soit super intéressant pour vous d'être chez mes amis. Et voilà, d'ailleurs, je ne suis vraiment pas forte quand il s'agit de vlogger. Donc je vais faire comme je peux, tout simplement. Et voilà, cet après-midi, on va à la Cholula, qui est une petite ville qui est juste à côté d'ici, qui est magnifique. Et si mes souvenirs sont bons, il y a un marché aux fruits qui est exceptionnel. Et j'espère de tout mon cœur que je vais trouver des mangues, parce que c'est la fin de la saison déjà. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que je vais mettre tout le monde en retard. Je vais finir de me préparer et on se retrouve de suite. Du coup, sur le chemin, comme pratiquement tous les matins qui ont suivi, on s'est arrêté acheter du jus pressé dans ce petit commerce qui payait pas de mine et pourtant la qualité était juste top. Le plus souvent, je prenais le verre qui était composé de céleri, persil et d'autres bonnes choses, mais franchement, ils étaient tous trop bons. Ce que vous voyez là, c'est l'emblème de Cholula. Il s'agit d'une pyramide aztèque qui a été détruite par les conquistadors et ils ont bâti l'église dessus. Cet endroit est juste magnifique. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont mis une bâche en plein milieu de la place de l'église pour un événement ou un truc comme ça, donc on n'a pas pu prendre des jolies photos. Mais voici à quoi ressemble l'église de ce côté et la vue imprenable sur les deux volcans. Une fois qu'on est redescendu, on est allé au marché et c'était vraiment comme dans mes souvenirs. Il y avait tellement le choix entre des spécialités à base de maïs, ces cactus qui s'appellent des nopales et qui sont comestibles. Ah, pour info, ces piments sont les plus forts du Mexique. Et miracle, c'était encore la saison des mangues manila qui sont mes préférés en plus. Donc autant vous dire que j'ai fait le stock et d'ailleurs vous avez dû le voir sur Instagram si vous me suivez. Une fois qu'on a fait le tour, on a mangé juste à côté du marché, donc c'était vraiment des produits typiquement mexicains. Ce qui est cool, c'est que la plupart de la cuisine préhispanique est vraiment quasiment 100% végétale. Du coup, entre le guacamole, les haricots, les tortillas et le riz aux légumes, on peut avoir un repas complet n'importe où, et ça c'est vraiment cool. Le lendemain, évidemment, comme pratiquement tous les matins qui ont suivi, j'ai profité de ces magnifiques mangues, aussi ces mini bananes, des goyaves, enfin tous ces fruits locaux qui me manquent tellement depuis que je suis en France. Ce jour-là, on est parti se promener au Zócalo de Puebla, qui est le centre historique, et on a fait un tour au Sapos. Il s'agit d'un marché aux puces mythique, on y trouve des antiquités, de l'artisanat, et bien sûr à manger comme partout au Mexique. Ensuite, j'ai rejoint ma meilleure amie Alexandra, et on est parti faire un tour dans le quartier du Zócalo qui vend tous les bonbons artisanaux.
Les plus connus sont les camotes, qui sont des sortes de pâtes de fruits à base de patates douces. Et bien sûr, je peux pas faire cette vidéo sans vous parler des mazapanes. C'est des bonbons à cacahuètes complètement addictifs. J'en ai mangé pendant toute mon enfance. Et là, j'en avais toujours un ou deux dans le sac parce que j'en mangeais pratiquement tous les jours. Je sais, les sushis c'est parce qu'il est plus typique là-bas, mais je vous promets qu'ils les font tellement bien et en plus de ça le prix est hyper raisonnable, donc c'est vraiment une option végétale que je néglige pas quand je suis là-bas, et du coup ce soir-là j'ai opté pour cette option comme beaucoup d'autres soirs d'ailleurs. Ensuite, ce matin-là, Maritza a fait un grand brunch avec plein de fruits et elle a réussi à me réconcilier avec la papaye, donc c'est officiel, je peux dire que j'aime tous les fruits. Pendant le séjour, on a eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises au club où j'ai commencé le tennis. J'ai pu faire de la salle, un peu de natation, histoire de pas couper complètement le sport. C'était l'anniversaire de mon frère, je pense qu'on a dû le fêter au moins 10 fois, mais ce jour-là on a décidé de partir à Tlimeyaya, qui est un petit village au pied du volcan avec une rivière qui traverse, des avocatiers partout. Cette carafe rouge que vous voyez, c'est une sorte d'infusion sucrée à l'hibiscus, on en trouve dans tous les restaurants au Mexique, c'est hyper rafraîchissant. Pour le repas, j'étais obligée de prendre un guacamole vu que l'avocat c'est vraiment le fruit local. J'ai aussi pris des tlacoyos qui sont des galettes de maïs fourrées à une purée de haricots noirs et couvertes de sauce piquante. Et pour finir, ces petites bananes frites en dessert étaient vraiment simples, mais super bonnes. Con el cinturón abrochado hasta que el avión se haya detenido por completo. ¿Dónde vienen? Francia, Francia. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est en direct de Playa del Carmen. Je suis arrivée hier dans l'après-midi et j'ai été nager hier soir. Je suis désolée, je parle doucement parce que là il est tôt le matin et je suis dans le hall de l'hôtel tout simplement. Il fait beau, il fait chaud, c'est super sympa. Par contre, je vous avoue que je suis quand même un peu triste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sargasse. C'est ce phénomène d'algues qui envahit pas mal d'endroits dans le Caraïbe en ce moment. Alors ça a toujours existé, mais là apparemment ça s'aggrave d'année en année à cause du réchauffement climatique et de la pollution dans l'eau. Je ne suis pas un expert en la matière ni quoi que ce soit, hein. Je ne connais pas la solution exacte au problème, mais c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez. J'en ai pratiquement pas entendu parler dans les infos. Et c'est important d'en parler tout simplement parce que c'est la première fois que je touche du doigt à ce point un avant-après. La dernière fois que je suis venue ici c'était en 2012 et c'était vraiment une carte postale, c'était magnifique. Et là je ne reconnais plus du tout l'endroit. Et attention, je ne suis pas dégoûtée pour mes vacances, et ça je m'en fous totalement. Je pense surtout à l'économie locale et à l'écosystème. Donc voilà les amis, pour finir sur cette note négative, aujourd'hui j'ai prévu d'aller faire du snorkeling dans la barrière de corail, à Puerto Morelos. C'est une petite ville où a vécu mon père pendant un an, et j'espère que ça sera comme dans mes souvenirs. Donc voilà, on se retrouve pour le snorkeling ou au déjeuner, je sais pas encore. Allez, à de suite les amis. En tout cas, le petit hôtel où on a séjourné était vraiment super mignon. C'était en plein centre-ville et le responsable et les employés étaient absolument adorables. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Playa del Carmen un jour, ça s'appelle la tortuga comme la tortue. Une fois le petit déjeuner pris, on est parti à Puerto Morelos et voilà. Voilà à quoi ressemblait aujourd'hui et à quoi elle ressemblait en 2012. Mais bon, une fois qu'on est parti au large, l'eau était magnifique, elle était chaude et j'ai vu plein d'espèces différentes de poissons. Et du coup, ça m'a fait vraiment super plaisir de voir que la barrière de corail était toujours aussi belle et inchangée. Le lendemain, malgré la chaleur écrasante, on a eu un petit peu de courage pour faire du renforcement avant de partir pour Escacel. On a pris le transport en commun et ensuite on a emprunté ce petit sentier qui était censé nous amener dans un cénote qui est un point d'eau douce qui se trouve dans la jungle au bord de la mer, et malheureusement le cénote était fermé. C'est un endroit qui est vraiment caché, donc bon, apparemment c'était pour la protection, donc ça on peut le comprendre.
Comme consolation, on a quand même pu profiter de la jolie plage d'Escacelles. Et le soir, on a voulu tester la Senda, qui est un restaurant 100% vegan, qui était juste à côté de l'hôtel. Et mon Dieu, quel choix! Tout, absolument tout me tentait sur la carte. Il faut vraiment que je reproduise ce café frappé, il était hyper bon. Ensuite, on a partagé des nachos, du guacamole. Et moi, comme plat principal, j'ai pris des enfrijoladas, qui sont des tacos recouverts d'une sauce onctueuse ou haricot noir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit que je vous montre ma version. De retour à Puebla, j'étais très contente de retrouver ma ville avec son socalo. Et le soir, on a testé une taqueria vegan. Je pense que c'est l'endroit qui m'a le plus étonnée pendant tout ce séjour. Tout simplement parce que c'était la vraie taqueria mexicaine, sans chichi. Ils n'ont pas gonflé les prix, peut-être que c'était vegan. Le choix était juste hallucinant. On retrouvait toutes les spécialités des rues de Puebla. Moi, j'ai pris une semita, qui est un sandwich avec de la viande épicée. Et là, c'était à base de seitan. Mes amis ont pris des gringas, qui sont des sortes de tacos, sauf qu'il y a du fromage fondu dedans. Vegan en l'occurrence. À l'extérieur, on pouvait se servir toutes les garnitures qu'on voulait. Moi, j'ai chargé en sauce piquante, comme d'habitude. Ça, c'était pas sur la carte, mais le serveur m'a dit qu'il y avait des tamales de mollet ce soir-là. Il s'agit d'un gâteau de maïs cuit à la vapeur, et à l'intérieur, le mollet, c'est une sauce qui est typiquement de Puebla, qui a je ne sais combien d'ingrédients, dont du chocolat, mais ça reste quand même un plat salé. Et en tout cas, les tamales, ça a toujours été mon plat préféré mexicain, et franchement, là, c'était hyper réussi. On a fini le repas par ce bon gâteau au tiramisu, et d'ailleurs ces petites en ont bien profité aussi toute la soirée. C'était déjà le dernier jour, et des amis nous ont invités dans ce studio de bike, du coup on a fait une séance ensemble, et ensuite on est allé prendre le brunch. C'est un restaurant végétarien, mais pratiquement tout était vegan, et encore une fois, il y avait un choix de fou. On savait pas vraiment quoi choisir, du coup on a tous partagé plein de trucs. J'ai commencé par un latte au lait d'amande et ensuite on a pris un acai bowl avec plein de beurre d'amande. Cette gaufre qui était de notre monde que je vais absolument essayer de reproduire, des tostadas et des enfrijoladas comme ce que j'avais mangé à Playa del Carmen. Pour ce dernier repas, je n'avais pas super faim donc j'ai pris des chalupas sans viande qui sont des petits tacos frits avec de la sauce piquante. Bien sûr, il pouvait pas manquer le guacamole et ces tortillas au maïs bleu qui sont la variété que je préfère. Et voilà les amis, c'est à peu près tout. J'ai passé un moment incroyable. J'ai volontairement pas tout filmé pour essayer de profiter au maximum. En tout cas, j'espère vous avoir fait voyager un petit peu à travers ce vlog depuis le temps que je baratine avec le Mexique. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !